Bonjour, mon nom est Yannick Laporte, je suis courtier immobilier et propriétaire de l'agence Century 21 Tremblant. Dans cette vidéo, je vais visiter un superbe terrain de 1,5 acres sur l'allée de la Sapinière dans le quartier 8 à Mont-Tremblant. Alors voici l'allée de la Sapinière dans le bas de l'écran. Alors, c'est un terrain qui est déjà excavé, qui est prêt à construire. Qui a une belle vue vers Mont-Tremblant. Alors, prenez le temps d'écouter cette vidéo pour apprendre à mieux voir le terrain. Hello, my name is Yannick Laporte. I'm a real estate broker, owner of Century 21 Tremblant. In this video, I'm showing you a beautiful 1.5 acre lot. As you can see, that's already excavated, ready to build in quartier 8, Mont-Tremblant. Alors, ici, sur l'allée de la Sapinière, nous sommes au coin de l'allée du Clos. Alors, c'est la phase 2 du projet qui est par là. Nous avons l'entrée de quartier 8 qui est tout droit devant avec les boîtes à ordures qu'on voit au bout. Et ici, on voit à peine un voisin donc, qui a été construit un peu plus haut. L'autre voisin, je vais vous le montrer un peu plus loin. Alors, je vais prendre le temps de marcher le terrain au complet pour bien vous le montrer. Mes raquettes. Alpine, est-ce que tu es prête? On y va! Vas-y, mon chien! Alors, ici, l'entrée qui a déjà été excavée. Ok, juste une légère pente. Qui va vraiment bien se monter. Même en hiver. Ce qui est vraiment formidable de quartier 8 est l'homogénéité de l'endroit. Donc, il y a un guide architectural à respecter qui n'est pas trop contraignant, mais juste assez au moins pour que les voisins soient également des belles propriétés et qu'il n'y ait pas donc de maison trop grosse, trop petite ou en briques roses ou en aluminium jaune ou quoi. Alors, on voit qu'il y a une forêt qui est mixte, donc il y a du beau boulot en moi. Et qu'il y a également des conifères ici entre la rue et la future maison qui va vraiment garder le côté très privé. Alors aujourd'hui, je suis avec les enfants qui en profitent pour jouer au roi de la montagne et de jouer dans la neige. So I'm with the kids today that are playing King of the Hill and enjoying the snow and beautiful day here in Tremblant. So we can see on this side the neighbor's driveway. We would see the house, but it's actually further up, so we can't see it. That's good news. So as you can see, all the excavation is already done. So almost $100,000 was spent in order to prepare the site, cut the trees, do the dynamiting, and have it all ready for to build. Alors, c'est un processus qui est normalement très long. Donc, d'avoir toute la demande de permis et de préparer la construction. Ça a déjà été fait ici. Alors, le garage qui serait donc devant nous est un peu plus haut. Ah oui, là, on voit le voisin qui est en arrière là-bas avec les fenêtres, qui est un peu en retrait. Donc, un peu en arrière. Alors, toute la vue qui est donc vers l'allée, vers Mont-Tremblant, n'aurait aucune vue vers les voisins. Alors, je continue de ce côté-ci. Le rapport pour la fosse septique a déjà été fait aussi. Alors, c'est prévu avec les tests de sol pour que le système septique soit en voilà. Alors, belle conception de faire gravitaire. Donc, ça permet d'avoir
d'avoir toutes les eaux usées qui vont descendre par gravité vers le bas. Bon, ok, gros projet de monter en haut ici, dans deux pieds de neige. So pretty good idea now to go on the top here in 2 feet of snow, but I wanted to show you the beautiful view from up here. So this would be the whole house. And obviously if you'd want to have a different house design, it'd be very easy to customize it and either do a bit more blasting or fill in order to have the house that you want on this lot. All right, so from here, I guess I could zoom in this way. And it's kind of tough to see through the trees, but trot line's right up there. Beautiful view. Great location. So for more information, or if you'd like to schedule a visit, please contact me, Yannick Laporte, 819-429-9001. Pour plus d'informations ou séduire une visite, contactez-moi, Yannick Laporte, 819-429-9001. Merci. Thank you.